Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue dans Zoom Impact, votre nouveau programme pour mettre en avant les créateurs et personnalités afro dans l'industrie de la mode. Chaque numéro, comme d'habitude, est consacré à une personnalité et son fait d'armes. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Sujet du jour, Samira Nosh. Le 9 juin 2020, le magazine Harper's Bazaar, après 153 années d'existence, change le cours de son histoire. En nommant à la tête de la rédaction chef de son édition américaine, une femme de couleur en la personne de Samira Nosh. Une nomination historique qui survient à une date qui l'est tout autant, car ce même 9 juin 2020 se tenaient les funérailles de George Floyd. Cet afro-américain qui trouva la mort tragiquement suite à son arrestation violente par les policiers blancs. Cet événement qui avait secoué toute l'Amérique et aussi lancé le mouvement contre le racisme dénommé Black Lives Matter, auquel Samira Nosh affiche son soutien. Suite à sa nomination, Samira Nosh déclara être fière de prendre les commandes des magazines iconiques à ce moment particulier de l'histoire, déclara-t-elle sur les réseaux sociaux. Alors, qui est Samira Nosh? Samira Nosh est née à Montréal, au Canada, d'un père libanais et d'une mère trinidadienne. Elle est styliste rédactrice de mode. Son parcours dans l'univers de la mode débuta lorsqu'elle quitta son Canada natal pour New York afin d'étudier le journalisme. Elle débarqua dans cet univers en travaillant pour le magazine féminin Mirabella, un magazine créé par Grace Mirabella, une ancienne rédactrice en chef de Vogue. Elle poursuivra sa carrière dans un autre magazine mode en tant qu'assistante de la directrice artistique de Vogue, qui est nul autre que Grace Coddington, qui est considérée comme la seconde femme la plus puissante de la mode après Anna Wintour. La suite de sa carrière se fera dans divers magazines. Elle est tour à tour directrice du style chez InStyle. Ensuite, elle occupe le poste de directrice de la mode du magazine Elle. En mai 2018, elle rejoint Vanity Fair. En tant que directrice exécutive de la mode, elle a pris ses fonctions chez Harper's Bazaar depuis le mois de juillet 2020. Elle dirigera le magazine ainsi que le site, ce qui lui permet d'avoir une influence sur le contenu. Nous sommes à la fin de notre focus sur Samira Nosh, nous passons à la rubrique Lexic Mode. Dans notre rubrique aujourd'hui, nous allons parler du poste de rédacteur en chef d'un magazine de mode. Le rédacteur en chef anime une équipe de journalistes et veille au respect de la ligne éditoriale d'une publication ou d'un journal audiovisuel. Il assure également le lien avec la direction et les autres services techniques et administratifs. Plus spécifiquement, dans la mode, ses missions avec son équipe est de faire découvrir aux lecteurs les dernières tendances ainsi que les nouvelles collections. Aussi commenter les défilés de la Fashion Week, de différents pays bien sûr. L'influence du rédacteur est justifiée par le fait que le pouvoir du journalisme est bien important dans le domaine de la mode, car il ou elle, de par sa crédibilité et notoriété, peut apporter une grande valeur ajoutée à une collection ou à un créateur pour qui il ou elle a eu un coup de cœur. La réputation des marques ou des créateurs de mode peuvent donc dépendre beaucoup de certains journalistes connus du secteur. Sans plus tarder, nous passons à la dernière rubrique, la pépite du web. La rubrique pépite du web. Notre pépite du web est l'ivoirien Blé Pogba. On reste dans la même lignée en parlant de la rédaction mode. Blé Pogba est un rédacteur mode qui couvre toute l'actualité mode africaine et internationale sur son blog blepogba.com. Il est aussi créateur de contenu et auteur pour des magazines comme l'édition ivoirienne du magazine Elle. Il se définit lui-même comme la source francophone numéro 1 en matière de mode africaine. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis.
ça a toujours été un plaisir de produire des contenus sur les personnalités qui comptent dans cette industrie, qui viennent de nos continents ou alors des afro-descendants de tous les continents. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. C'était Sylvester Ness. Bye.